C'est Lopina sur le 100 bébé challenge. On se retrouve avec Clara qui fait une peinture des plus fantastiques. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix, je suis désolée. J'aime bien prendre des voix, remarquez, donc je crois que tout le monde aime prendre des voix. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez prendre des voix, c'est très intéressant. C'est un sondage particulièrement intéressant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc Clara, elle a le feu, la patate, la frite, la banane, tout ça. C'est n'importe quoi ce que je fais. Entretiens ton jardin, Clara. Pourquoi ça vaut aussi peu cher l'étoile maintenant? J'espère que ça va pas rebugger comme la dernière fois là. Parce que n'importe quoi. Clémentine, tu nous enquiquines, Clémentine? Tu es tout le temps en train de brailler, sale gosse. Sale gamine. Wow. Allez, go. Les cours d'Isora commencent dans... Mais pourquoi ils ont pas dormi? Mais what? Mais c'est un bug ça, hein? C'est pas possible. On est d'accord qu'elles ont dormi, enfin je sais pas, j'ai pas compris là. Bah, dors le peu de temps qui te reste, qu'est-ce que je te dise? C'est débile, j'en ai marre des bugs dans les Sims 4. Ça tue l'envie de jouer en fait, c'est triste. Allez, quitte-toi de ton petit bout de chou. Ton petit bout de chou-fleur. Voilà, donc c'est cool, elles sont crevées de ouf. Hop, allez, va en cours. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu dors pas quand je te dis de dormir, écoute. Toi, tu vas te lever, tu vas prendre une douche. Si ça veut bien marcher, c'est bon, ça marche. Ouf! Et tu vas t'entraîner. Alors, on va travailler dur par contre, parce que là, il est vraiment temps que vous partiez. Allez, Jérémy, toi, tu travailles ou pas? Il travaille à 14h. Ça va, il y a le temps. Oui, c'est bien Maud, on lui dira. Il y a le temps. Pourquoi plus 7? Oh ouais, c'est les livres. Oh, mais ça rapporte de ouf les livres. C'est tous les jours, je crois. Je sais pas, j'ai pas fait attention. Mais il me semble que c'est tous les jours. Bon, normalement, Louise devrait valider. Et peut-être Isora aussi. On verra. Tu vas t'occuper de ta petite boule d'amour. Et tu vas manger quelque chose. Ok, donc ça, c'est sale. Voilà, danse Jérémy, écoute, si ça peut te... Oula! Oula! Ça peut te faire aller mieux. Allez, on redanse. Allez, où? Et t'as fini au moins ça? Non, même pas. Tu sers à rien, Jérémy. De toute façon, on s'en fiche, hein, concrètement. Bon, Clara, tu vas peut-être te lever quand même. Non. Va au travail, dépêche-toi. C'est bientôt l'anniversaire de Clémentine. Oui! Tu travailles dur pour apporter de l'argent à ta mère qui t'a aimé, qui t'a élevé, qui t'a nourri à la sueur de son front. Voilà, on nourrit la sale gosse. Mais elle est encore en train de pleurer, c'est sérieux? Ah! L A B L A A, ils vont dégager. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Ajouter des bougies. Allez, ma petite Louise.
Donc, ben, tu vas goûter le glaçage, écoute, et toi, tu vas aller faire tes devoirs. On se dépêche. Pourquoi il y a une barre dans le guide? Voilà, alors on lui met un truc, hop, on s'en fout. Voilà, elle aime la nature, c'est parfait. Hop là. Tu es adulte, c'est cool, tu vas trouver. Déjà, tu vas aller t'occuper de ta petite sœur parce que elle est chiante. Et ensuite, tu vas trouver un emploi. Et je les ferai partir à la fin de cet épisode, qu'il y ait quand même un peu de vie dans cette maison, puisque clairement, il n'y a plus d'enfants là, c'est vide, c'est très très vide, très 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 vide. Alors vas-y, trouve un truc là. Qu'est-ce qu'on peut te prendre? Je vois pas du tout dans quoi tu pourrais être en fait, c'est ça le souci. Je la vois tellement pas dans ces trucs là. Bah écoute, tu vas être. Franchement, il faut un truc où tu n'utilises pas l'ordinateur. Tu vas être artiste, écoute, je vois que ça. Donc, on va t'acheter une petite guitare et puis tu vas jouer ta guitare. Oh, on a 11 000 Simfouz! Hey, qui c'est qui gère la fougère? C'est quoi ça? Bah écoute, ça peut être très très mignon tout ça. On peut pas le mettre quelque part pour faire joli. Moi je voulais le mettre là, moi. Voilà là. Et ça c'est quoi? Présentoir trophée d'athlète. On s'en fout. Et ça aussi on s'en fout. Alors, qu'est-ce que je voulais? Oui, je voulais une guitare. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi pour cet accent, c'est juste un épisode de What the Cut que j'aime bien. Bref. On s'en fiche. On s'en fiche. Youp. Voilà. Donc tu vas faire de la guitare, tu vas casser les oreilles de tout le monde qui sait quoi, s'entraîner à faire de la musique. Nan nan nan. Et ben vas-y, entraîne-toi. Maude, elle fait ses leçons. Maude, pourquoi Maude? Isora, je suis désolée. Donc Isora fait ses leçons. Maud, ça fait bien longtemps qu'elle est partie. Tu es inspirée. Va faire une toile vite. Vite! Suis désolée. Ripez vos oreilles. Il n'y a plus de respect. C'est bien gentil. Voilà, faire évoluer, faire évoluer, évoluer, évoluer. En fait, les plantes, c'est des Pokémon. Faut les faire évoluer. Oh, c'était trop drôle! Ouais, c'était très mauvais. Très 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 mauvais. Ben alors, tu joues ou tu fais quoi toi? Entraîne-toi. Voilà, Isora a terminé ses devoirs. C'est parfait. Elle va pouvoir faire du travail supplémentaire. Mais pourquoi elle arrête, elle? Ok, elles sont crevées, donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas dormir. Voilà. Clairement. Toi aussi tu vas dormir dès que ce sera fait et enfin dès que ce sera pas fait visiblement et tu feras tes devoirs bah, quand tu seras réveillé du coup. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ça dans l'inventaire de Clara, n'importe quoi. Hop là. Dès que tu seras réveillé, tu feras hop. Toi tu vas entretenir ton jardin. Et ensuite, on va s'occuper de cette saleté de pleurnicheuse de Clémentine. Mais c'est pas possible! C'est pas possible d'être toujours en train de pleurer! Scrogneugneu! Oui, c'est bien! C'est vrai que c'est la fille du jardinier, Louise. Le pauvre jardinier était venu tranquillement s'occuper de nos plantes, et bah du coup, il s'est occupé d'un double jardin. Comprendra qui pourra. Kawaruru a compris. Oh là là. L'humour nul de Lupina. Ah, elle a fait un chef-d'œuvre. C'est-il pas beau tout ça? Elle en est à combien dans sa compétence d'écriture? Je sais pas. Combien elle en est? Déjà? Et pas dis donc.
C'est bon là? Tu vas mieux, Louise? Oui, je veux vendre le chef-d'œuvre. Ouah! 2 700 simflouzes! Ouh! Toi, tu vas manger. Mais ce bébé, mais tais-toi, je t'en prie! Oui, allez, c'est bien. Tais-toi! Tais-toi! Toi, tu vas manger ton sandwich au fromage fondu, puis tu vas courir. Mais foutez-moi la paix. Donc ça remonte son divertissement, c'est parfait. Quand on aura marre, t'iras manger un truc. Ah ouais, d'accord, il y avait tout ça qui était périmé. Ok. Bah Clara, va falloir que tu refasses à manger. Genre très vite. Très très vite. Et toi, Lapine? Oh, elle a terminé son travail supplémentaire. C'est parfait. Du coup, tu vas venir manger un truc. Viens manger, bébête. Viens manger, ma petite. Et si tu pouvais éventuellement manger en regardant la chaîne Humour, ce serait parfait, toi aussi. Allez, go, va regarder la chaîne. Elle ne veut pas y aller, c'est génial. Voilà, t'y vas ensuite. Quand tu auras fini, tu iras nourrir ta fille. Et elle nous casse les baloches, la Clémentine. Casser les baloches, oui, d'accord. Oh, quelle vulgarité, je suis virée. Bon. Oui, je me vire de ma chaîne parce que je suis trop vulgaire. Mais, non, mais ses cheveux, mais c'est pas permis d'avoir des cheveux aussi moches. Si vous voulez, ma recette secrète pour avoir des cheveux moches, surtout demandez-la moi dans les commentaires. Ah, je ferai un tuto beauté. Un tuto mocheté. Ce serait un concept, ça, une chaîne de mocheté, tu sais. Une homme qui a mode, ouais. Ah ben, attends, hein? La classe ou pas? Ou pas, je pense, mais bon. J'arrive plus à gérer là, je suis en train de dire des bêtises et du coup je fais n'importe quoi. Est-ce que toi ça va? Oui, toi t'as juste ça à remonter. Toi, dès que t'as fini de manger, ça ira beaucoup mieux. Toi, tu vas utiliser et faire ça. Clara, ma jolie Clara. Terminer son livre qui va le vendre. Et tu vas cuisiner enfin parce que bon, c'est bien gentil tout ça. Oh, je veux du poulet, j'ai trop envie de poulet. Allez, go, du poulet. Je sais que j'en fais tout le temps, mais je kiffe le poulet. Excusez-moi pour les végétariens. Désolée. Bon. Je kiffe le poulet. Ok, bah va dormir, ma petite louloutre. Non, attends, en fait, pas du tout. Tu ne vas pas dormir, tu vas. Tu vas prendre une douche et tout le bazar parce que t'es pas très propre. Allez, vas-y. Hop, ensuite toi, bah tu vas dormir. Et toi, mon lapin. Ouais, mon lapin, ce serait bien que tu te douches déjà pour commencer. Et ensuite que vraiment tu finisses ton entraînement, quoi. Elle est encore en train de pleurer? Mais quelle sale gosse! Dites-moi qu'elle grandit bientôt parce que là, c'est pénible hein, ce genre d'enfant qui pleure tout le temps. Est-ce que t'es propre? Oui, c'est bon, t'es propre. Allez, go! Et toi, faut vraiment que t'atteignes. Ouais, c'est bien ça. Que tu termines ça au moins. Non, tu veux pas. Bon, va te coucher, tu reprendras demain. Voilà. Hop. Faut changer sa couche. Elle est là. La petite chougouillou. Cuisiner, cuisiner. Et je voulais cuisiner du thon aussi, là. Des pâtes au thon ou je sais pas quoi, ce que j'ai vu.
thon cuit à la cocotte. Oh, ça donne trop envie, franchement, je sais pas pour vous. Ça me donne trop envie de cuisiner, ce que je ne ferai pas. Allez, go, Clara. Puis une princesse. Franchement, Clara, c'est un peu la mère parfaite, hein, je voudrais pas dire, mais elle fait tout, elle a eu plein de gosses et pourtant ils s'en sont bien sortis. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'ai beaucoup d'estime pour cette petite. Si on pouvait tout récolter, pardon, voilà. Hop. Allez, finis tonton. Finis tonton. Fini tonton, fini tata. Ah ah, trop drôle! Ouais. Ouais, ça ne s'arrange pas. Bon. Les cours d'Isora dans une heure. Oh là là. Bah, Isora, elle va tranquillement. Mais pourquoi ça se repose pas là? C'est bizarre quand même. Ou alors ils sont couchés super tard, j'ai même pas vu. Et ce bébé! Mais c'est pas possible! Allez, Isora va en cours, ma chérie. Zouzou. Zouzou! Faut travailler dur! C'est bien! Et nous, on va revendre tout ça. Allez, plus vite, Clara. On se dépêche. On s'active le tron-tron. Qui sonne? Tais-toi! Allez, go! Va t'occuper de ta petite louloute. Mais regardez tout ce que ça rapporte! C'est ouf! Non, Clara, te vanouille pas! Ça faisait longtemps, tiens. Occupe-toi de ta fille. Elle nous enquiquine, cette fille. Clémentine. Ouais, donc c'est tous les jours les livres, c'est cool ça. Du coup, Jaco, tu vas te lever, tu vas manger un truc. Quoi, non, enlever une nourriture gâtée. Bon, bah enlève là, écoute. Puis tu vas manger ça. Et entraînement énergisé. Et toi, Ginette, hop là. Et manger un truc. Oh, mais ce bébé, achevez-le. Alors par contre, quand je dis prends une douche, tu prends une douche, tu rentres pas dedans et tu ressors pas. Ah bah non, celle-là, écoute, qu'est-ce que je te dise? Hop. Allez, 75%, bon, ça va. Et toi, normalement, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est pas fait. Non, Jérémy, on n'a pas son assiette, toujours pas, gné. Gné, 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 hein. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Va t'occuper de ta petite sœur. Écoute, si tu veux de la nature, t'as juste à t'occuper du jardin à côté, hein, hop. Vas-y. Voilà, allez, elle est contente. Allez, joue. Voilà, c'est bon, c'était juste pour le social. Qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tu vas discuter avec tes frères, tiens. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? T'appelles Léo, tu lui racontes ta life. Voilà. Hop. Et toi, t'as faim. Eh bah, tu vas manger. Et ensuite, tu vas appeler tes frères et sœurs. T'as qu'à appeler ton père, au pire, on s'en fiche. Hop. Non, mais va au travail, Jérémy, tu fais n'importe quoi. Oh, ce swag. Je suis une mascotte. Ah! Merci! Merci! Fouf! Alors, tu vas changer la couche sale, tu vas la nourrir.
Pardon, allaiter, babiller, bercer. Hop. Alors, elle a eu un B, c'est parfait. Bon, tu vas directement aller dormir, on va pas chercher. Tu vas dormir, voilà. Hop. Et du coup, maintenant que tout ça c'est fait, on va lui changer d'âge. Alors, j'espère que je vais trouver des bons traits. Oh, elle a l'air trop choupie. Enfant très social, parfait. Hop. Gloutonne. Cécile me réagit de la manière plus négative à la fin que les autres Sims s'apprécient toujours de manger, quelle que soit la quantité de nourriture, peuvent manger de la nourriture gâtée et peuvent chercher la nourriture dans les poubelles. Ah mais c'est cool, en gros c'est des poubelles vivantes. Mais c'est génial. Clara, tu t'ennuies, tu vas faire une toile là, ma chérie d'amour. Alors, voyons voir sa petite bouille. Oui, elle est choupinette. Oh, elle a le nez de sa maman. Quand le mignon, le bouillou, bouillou, bouillou. Excusez-moi. Je vais déjà vendre le berceau pour commencer. Et vous savez ce qu'on va acheter? On va acheter un petit truc pour qu'elle se défoule. Comment ça s'appelle? Je le trouve jamais en plus, ce truc. Ah, où c'est que c'est? Où c'est que c'est? Oh, ça m'énerve, je le trouve jamais. Vous savez, les barres là pour les enfants. Bon, c'est pas grave, on va chercher par là. Enfant. Hop. Voilà, ça va être trop belle. Trop belle. Trop, trop belle. Du coup, on va le mettre ici. Trop mignon. Donc, tu vas aller jouer, ma fille. Tu vas aller jouer. Non, d'abord, tu vas manger. Mange un petit truc. Manger un repas rapide. Non, non. Ouvrir, attends. Il y a du poulet et du thon cuit à la cocotte. Tu vas pas. C'est ça, c'est toujours buggy. C'est cool. Bah, du coup, je vais la relooker tranquille. Et toi, tu travailles pas? Ah, si, tu travailles dans une heure. J'ouvre la guitare, tiens, pour te divertir. Est-ce que c'est fini? Je vais garder l'heure vite fait. Toujours pas fini cette toile. Hop. Du coup, mes cocottes, mais ça monte pas du tout. Hein. J'ai l'impression que ses besoins descendent plus qu'ils ne montent à elle. Hein. C'est chaud. Va manger et tu feras tes leçons. Hop, Clara, c'est fini. Donc tu encadres ça et tu vends. Est-ce que ça va, Clara? On a envie de faire un pissou. Eh ben, tu vas faire un pissou. Que veux-tu que je te dise? Tiens, fais un autre livre parce que ça va nous rapporter plus. Allez, vas-y Clémentine. Elle est trop choupinette. Oh, je la trouve trop mignonne. J'ai hâte de voir ce qu'elle sera quand elle sera ado. Adodo. Adolescente, adolescente. Et tu travailles pas en fait? Ah bah non. Ah. Bon bah elle travaille pas. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Chouchou. Alors, du coup, je suis en train de réfléchir parce que oui, ça m'arrive. Si je veux lui augmenter le charisme, il va falloir que je booste ses facultés sociales à cette petite. Et je sais pas si on peut via un miroir pour les enfants, je sais pas du tout. Si on peut, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, Clémentine. Clémentine, ce sera ta chambre ici.
On va mettre ça, je sais pas moi, quelque part là. J'espère que pourront y aller. De toute façon, au pire, c'est pas grave. Et là, ce sera ta chambre, le temps que tu sois adulte, tout simplement. On va mettre du coup. Oui, les petites décos. Bah, de toute façon, avec tout l'argent qu'on a entre nous, on peut se le permettre. On va mettre une table de dessin pour monter sa créativité. Je sais pas si on aura le temps de monter à 10, hein, ça m'étonnerait, mais on va essayer. Et on va te mettre un très beau miroir. Très beau, j'ai dit. Un miroir sur pied, c'est possible? Un joli miroir sur pied. Il est classe, lui. J'aime bien. Et voilà. Et ce sera ta chambre. Donc, on va dire que c'est ton lit ici. Que je vais réclamer. Oui, d'accord. Et toi, tu fais quoi? Elle va faire ses devoirs. C'est parfait. Louise, tu as envie de faire pipi? Du coup, je les garde un peu, comme ça nous fait de l'argent et puis accessoirement, ça nous fait des gens dans la famille. Parce que sinon, Louise, quand tu auras fini. Oui, donc faire pipi, c'est parfait. Et tu vas un peu nettoyer parce qu'il n'y a pas de raison que ta mère soit la seule à faire tout ça. Pourquoi l'embarrasser? Insécurité musicale. Oui, bah tu joues mal, c'est pas grave, c'est tes frères et sœurs, ils en connaissent d'autres. Hein. Donc, toi, tu fais ton livre tranquille. Toi, c'est bon. Ouais, toi, je pense que là. Demain, tu pourras devenir ado, je pense. Et toi, ma lapine, toi, donc c'est bon, les devoirs sont terminés. Tu vas faire un pissou et tu vas commencer. Bah non, écoute, tu vas faire un pissou là, puisque c'est ta salle de bain. On va tout de suite échanger la douche et les toilettes de place parce que ça ne va pas le faire. Ah, on peut pas. Scrogneugneu. C'est le rideau qui gêne. On va le mettre là. Écoute, tu vas pas nous prendre la tête, hein. Donc tu vas utiliser et s'entraîner à faire un discours. Clara, ma jolie louloute. Donc toi, bah tout baigne. Hein. Écoute, tu vas faire des toiles. Comme ça, ce sera toujours ça de pris. Ici, il y a une petite assiette qui traîne. Hop là. Isora, c'est fini tes devoirs. Bah tu vas faire du travail supplémentaire, ma vieille. Et ensuite, tu vas danser un peu. À la limite, si le lit bug, tu vas en prendre un autre. Hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas prendre celui-là. Et tu iras dormir. Voilà, Clémentine a appris les facultés sociales. C'est parfait. Jérémy rentrait. Voyez-vous cela? Ben, ce style, cette classe, cette dégaine, cette fraîcheur. C'est magnifique. Et j'ai toujours cette barre là qui ne sert à rien. Donc Jérémy, tu vas faire du sport. Allez hop. De toute façon, je vais les enlever juste après l'épisode. Je pense. Ou peut-être les garder encore un peu. Je vais les garder encore un peu. Ça met de la vie, comme j'ai dit. Au moins que Louise fasse une journée de travail. Donc, comme ça nous fera de l'argent. Clara, t'as l'air complètement morte. Donc, dépêche-toi de finir ton livre. Ensuite, tu iras nous faire à manger. Oh, puis non, tu prends du poulet et puis. Zoup. Allez, zouzou. Et tu vas dormir. Louise, ça a l'air de bien se passer dans ta vie. Et toi, ma pauvre, par contre, t'es HS, toi. Bon, laisse tomber, écoute, va dormir. Hop, Jérémy.
Jérémy, juste tu vas dans la salle de bain, puis tu iras dormir. Et toi, chouchoune, dodo. Louise, encadre ta toile et vends-la. Puis tu iras au lit. Et Clara au lit. Hop, et voilà. Tout le monde y va au lit. Tout le monde y fait dodo. Dépêche-toi. Ma sur ce, les amis, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Coucou les choucrouloutes, j'espère que vous allez bien. Je sais que je viens de vous le dire, mais pour moi, ça fait très longtemps entre le tournage de cette vidéo et celle du 100 bébés challenge. Je voulais juste vous prévenir que l'épisode 29 était le dernier de cette saison, puisqu'il y en avait en fait deux autres, sauf qu'il n'apporte strictement rien. On n'a pas de nouvel enfant ou quoi que ce soit. Et ensuite, j'ai joué hors caméra, en suivant les règles du 100 bébés, bien sûr, pour faire grandir Clémentine. On se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode 1 et la nouvelle matriarche. J'espère que ça va vous plaire. Je vous ai réservé quelques petites surprises, beaucoup de changements. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc je vous dis bisous à la semaine prochaine avec la saison 2.